Ah merde. Salut Dashpit, comment tu vas? Là, je voudrais vérifier un truc. On a des salles vertes sur la map et ça doit forcément dire quelque chose, donc j'ai envie d'y retourner. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un item caché, qu'il y a un boss, qu'il y a je sais pas quoi, un mécanisme activé, j'en ai aucune idée. J'ai envie d'aller checker ça vite fait, c'est pas très long, ça va me prendre 2 minutes, hein. On a juste une petite salle à traverser. Et après j'ai envie de résoudre le mystère de la dernière fois, de la grande pièce où on n'avait pas pu accéder dans Brinstar. J'aimerais qu'on check ça avant de continuer l'exploration. Sauf que ça cache forcément quelque chose. Pourquoi il avait une salle verte, le mec? Forcément une explication logique. Salut Peluche, enfin Papilu, comment tu vas? J'ai envie de checker cette putain de salle verte. Parce que je... C'est bizarre que ce soit vert sur la map, c'est peut-être mécanisme caché, item caché, je sais pas. Un truc spécial, j'en ai aucune putain d'idée, mais j'ai envie d'aller voir ce que c'est. En plus, on est juste à côté, donc ça vaut le temps d'aller voir. Salut Molip, comment tu vas? Et après, on retourne dans le mystère de la dernière fois, on a passé un quart d'heure pour trouver un passage qu'on n'a pas trouvé. Ouais, ouais, ça va bien, ça va tranquille. Ouais, on va commencer à checker un peu tous les chemins là. Enfin, un peu. Là, genre, y'a rien ici. On sait jamais. Hein. Ça va la forme, tranquille. Non, c'est pas du fake. Parce que des fois, dans Metroid, y'a du fake dans les ennemis, donc je préférais vérifier. Ça va la forme, tranquille. Ouais, pas de soucis. Y'a pas du fait qu'on sait jamais. Je vais checker toutes les plantes. Parce qu'à tous les coups, y'en a une où c'est du fake. Enfin, à tous les coups. J'aimerais comprendre pourquoi y'a une putain de salle verte en fait. C'est ça le truc. What? Ok, bon. Ok. Ah, putain, pour voir que c'était une fake celle-là. Salut Crazy Taser, comment ça va? Donc, il y avait bien un truc, hein, cette salle verte. Hein. Et il y a l'air d'avoir un item en plus. Salut Gbuzz. Oh oh. Ah bah nice, Spazer. Donc maintenant les salles vertes, on ira voir. Je partageais ton stream. Oh, c'est sympa. C'est pas nécessaire, mais c'est sympa, ça fait plaisir. Il ne faut pas se sentir obligé. Ça va bien, merci. T'as déjà joué à Afterbirth? Oui, j'ai déjà joué à Afterbirth. J'ai déjà débloqué pas mal de trucs. Ouais, faut faire quoi ici? What? C'est... Je suis où là? D'accord, en fait c'est un truc caché, ok. Ça c'est du laser. Maintenant ce que j'ai envie de checker c'est... Vous vous rappelez de cette grande salle où on n'a rien trouvé la dernière fois? Nous allons y retourner parce que je suis motivé. Je suis motivé. La question c'est est-ce que je peux y retourner comme ça quoi? C'est ça la grosse question. J'ai pas l'impression, donc il va falloir un peu... Ah merde. Ah, je peux pas y aller malheureusement.
devrais aller par là quoi, fais chier. Ah. Non, fais chier, je suis obligé de... Alors faut que soit que je refasse tout le tour pour remonter quoi, c'est pas une avance mais bon. Ouais, on va devoir refaire tout le tour, fais chier. Ouais, sur la version originale c'était c'était pas aussi rapide ouais, effectivement. Mais déjà le tir de base même le tir de base était plus rapide hein. Même le tir de base était plus rapide. Putain, mais c'est mal foutu ce coin. Putain. J'ai pris très cher. J'ai pris assez cher donc on va peut-être faire gaffe. On va peut-être faire gaffe évidemment, je me fais toucher. Parce que cette grande salle avec un item, c'est pas possible qu'il y a rien quoi. Enfin, il y a forcément un truc. Il y a forcément un chemin qu'on n'a pas vu. La question c'est où est le chemin? Parce que c'est vraiment un truc de base, enfin, ça a l'air d'être un truc de base donc. Je sais pas si ça peut être un ice beam ou une connerie, je sais pas. Bon, du coup, on va save hein. Et après, du coup, ce que j'avais dit la dernière fois, c'est qu'on retournait sur Crateria, checker la. La porte super missile, si je dis pas de conneries. C'est ça qu'on avait checké la dernière fois. Parce que c'était la seule porte où on pouvait aller. Parce que je rappelle Maridia, c'était sous la flotte. Fantoon, il fallait le grappin visiblement. Enfin, on peut passer sans, mais ça a l'air chaud. Et Norfer, bah Norfer, on cuit. Hein, donc Norfer, on cuit, donc c'est pas forcément une avance. Donc je pense qu'il faut qu'on revienne à Crateria. Donc on va jouer 1h30, en gros jusqu'à 15h on va jouer à. On va jouer à ce Metroid, peut-être un petit peu plus, un petit peu moins en fonction de notre avancée. Et on passera après à Afterbirth, alors je sais pas trop ce qu'on fera, on fera un peu de tout. Un peu du nouveau mode de jeu, un peu de partie normale. Chaque fois je me fais avoir ici, hein. C'est quand même très propre. C'est la troisième fois qu'on passe et la troisième fois que je me fais avoir. J'apprends pas de mes erreurs. Ah, il a l'air meurtrier le tir. J'ai même pas besoin du charge beam en fait, c'est plutôt cool. Pas comme dans Ice Metal Uninstall où tu faisais chier. Ah, donc là c'est parfait, je voulais aller par là. Je voulais aller par là. Ouais, faut que j'aille à gauche. Le problème c'est que je suis obligé de faire tout le tour ici. C'est un peu les joies du mapping. Ah putain, est-ce que je peux gagner du temps ici? Ah. Nice. Ah, lui par contre il prend pas les tirs. Il y a les tirs chargés. De toute façon, ça va être une capsule d'énergie, hein. On va perdre tout notre temps là. Ah, si ça c'est le spazer, ouais, le plasma ça va être violent. Ah, là, la power bombe, on l'a pas malheureusement. De toute façon, c'est la power bombe, enfin ça m'étonnerait quand même. Mais... Bah, le plasma ça risque d'être encore plus létal, hein. Plus mortel. Oh, s'il te plaît. Là visiblement il y a un item juste à côté. Ah oui c'était ça. Ah oui là par contre j'aurais que je me rappelle si j'allais là. Ah c'est exactement où je veux aller donc ça tombe bien. Il doit y avoir un truc caché par là. Vas-y cours Samus. Salle. On se rapproche là. Ah et l'item tout à gauche, faut se rappeler qu'on l'a pas non plus. Il fallait les power bombes hein, tout à gauche là. De mémoire, il fallait les power bombes ou le speed booster ou les deux, je sais plus.
fallait un truc quoi. Le problème c'est que c'est pas affiché sur la map qu'on n'y est pas allé. Ah c'est par là, c'est parfait. Donc là visiblement il n'y avait rien par ici. Il doit y avoir un chemin. Alors je crois qu'on avait déjà checké tous les murs ici hein, de mémoire. Je sais plus par contre si on avait checké l'autre côté. Là je vais être bloqué. Ah ça se trouve c'est pas là le chemin, on n'avait pas regardé ici. Non, le chemin il est juste là. Dans le tuyau. Bon il va. On va faire le tour un petit peu hein, du propriétaire. Moi je laisse pas. Ça se trouve c'est là-dedans. C'est peut-être aussi con que ça. C'est par là, donc on va par là. Ah putain. Mais pourquoi il y avait ça déjà, putain? Salut Boozer, comment tu vas? C'est pas ici. Ah je pars pas tant que j'ai pas trouvé ce truc. Hein. Tant que j'ai pas trouvé l'explication rationnelle, on reste. Hein. Même si après on voit qu'il nous faut un thème qu'on a passé, pas grave. Mais moi je ne pars pas. Ça peut être que là, bordel. Non. Ça va bien, merci. C'est pas là non plus. Est-ce que c'est là? T'en es déjà où dans Afterbirth? Oh, je bois autant que ça. Ah, putain, y'a un scramble ici, bordel! J'ai déjà fini une partie. Enfin, j'ai fini une partie à fond. J'ai fini une fois le. J'ai fini deux fois le nouveau mode de jeu. Putain, y'a un scramble, bordel! C'est un truc par là ou quoi? Ça me crispe. Alors est-ce que c'était l'autre salle où il y avait un trou? Je pense que c'est ça, hein, l'autre salle où il y avait un vieux trou là. C'est super zarbe. Super zarbe ce coin là. Alors là il y a un. Pourquoi il y a un truc ici? C'est ça que je comprends pas. Hein. Bon on va rester bloqué un quart d'heure ici parce que j'ai envie de comprendre. Rien en plus, c'est magnifique. Puis en plus on voit la statue qui nous troll, c'est ça qui est le pire en fait. Putain mais c'est où ce chemin quoi bordel? Where is the solution? Là y'a quoi? Ah mais c'est là le scramble putain. Ça m'énerve. Vous avez des idées hein, mais on va rester encore là 5-10 minutes je pense et puis si on trouve pas on retournera à Cratérien. Surtout que c'est à côté. Si c'est pas dans l'autre ça peut être que là. Hein. Ça m'énerve. Je vois pas où ça peut être en fait.
Le mur il révèle rien. Alors est-ce qu'il y a un mécanisme activé? Je sais pas. Il y avait quoi par là déjà? Ah mais c'est sport spawn, on s'en fout ça. Bon bah désolé, je trouve pas. Ça m'énerve parce que je suis sûr qu'il y a un truc quoi. Je suis sûr qu'il y a un truc, mais alors la question c'est où quoi. C'est pas possible qu'ils aient mis un truc avec rien. Ça c'est quoi? Pourquoi ils ont mis un truc ici quoi? Et ils vont pas me faire croire qu'il y a rien ici quoi, c'est juste pas possible. On va pas me faire croire qu'il y a rien, hein. C'est pas possible. Ouais, c'est pas grave, on va pas perdre plus de temps ici. On se casse. Ça m'énerve. Enfin, je vais quand même re-checker. Pourquoi ici y a un trou quoi. Je cherche quoi en fait? Un passage. Parce que tu vois là, y a une statue. Y a une grande salle qui est entourée de... Y a une grande salle et on sait pas comment on y va quoi. Je cherche un passage. Il y a forcément un passage quelque part. Au pire, j'y reviendrai quand j'aurai le X-ray viseur, hein, comme ça on sera fixé. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde. Il y a forcément un passage quelque part, mais. On reviendra quand on aura le X-ray viseur, je pense. Là, on va retourner à Crateria, ça sera mieux. Il y a forcément un truc quoi, c'est pas possible. Salut Diablo. Toi cette salle là, comment je rentre là-dedans? Alors comment je sors de là par contre? Landing site, ok, juste aller au-dessus c'est parfait. Ah ouais, mais c'est pas c'est au-dessus via ce chemin donc c'est mort. Alors on va revenir au départ. On va encore aller au-dessus. Ah, c'est quoi ce vieux saut? Je comprends pas ce chemin, sans déconner. Au final, ça se trouve, c'est qu'une capsule, hein, mais ça m'étonnerait quand même. Ce passage est accessible via une warp. En fait, les warps, elles ramènent toujours au même endroit, donc ça serait plutôt un chemin secret, ce qui est possible. Hein. Tout à fait possible, HP. Là. Ce serait plus une secret area parce que la warp ça ramène toujours au même endroit. Mais ça peut être possible que ce soit un passage secret effectivement qui amène là. J'ai envie de dire pourquoi pas. J'ai envie de te dire pourquoi pas, mais ce qu'on fera c'est qu'on y reviendra quand on aura le X-ray viseur. Comme ça on sera vraiment fixé. Donc là maintenant on va chercher la porte super missile. Il n'y a rien ici. Porte super missile qui est pas très loin d'ici donc c'est plutôt cool. Ah et même là il y avait des trucs je crois hein. Ah bah il y a déjà un but sur mon match de foot là. Ah c'est Warp Zone aussi donc on s'en fout. Ah je peux aller là maintenant. Je peux déjà aller là, ça c'est plutôt cool. Je me rappelais plus de ce passage, mais je pensais pas à celui-là. Bon bah finalement. Hein. Ah, grappin. D'accord, un ennemi qui m'a touché nulle part. Visiblement sans grappin ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que je crois qu'il y a du grappin au-dessus encore. D'accord, si en plus j'arrive plus à caser mes wall jumps, on va pas y arriver.
Attendez, tout à l'heure j'ai réussi à en passer plein des wall jumps, ça c'est bizarre. Bon, visiblement faut le grappin. Ou alors les bottes de saut. Mais putain, mais. Je comprends pas. Bon, bref, faut le grappin, je crois. Tout à l'heure j'en ai passé plein des wall jumps, c'est assez bizarre. Et là il y avait un mur invisible hein, de mémoire. Avec une réserve tank. Est-ce que le mur invisible est toujours invisible? Pourquoi mes wall jumps ils passent plus? Dans Brinstar je les passais tous hein, c'est magnifique. Bon là c'est un mur invisible je crois. Ouais il y a toujours un mur invisible. Ouais c'est toujours un. Enfin, il va falloir analyser au X-Reviseur encore une fois. Bon, pourquoi les wall jumps ne passent plus? Question à 10 000 dollars. Mais lol! Mais c'est une blague. Genre dans ces deux, les deux ils passent quoi. En fait, c'est que ce côté qui marche pas. J'ai l'impression. Putain. Donc c'est en bas, hein. En bas de cette salle, exactement. Donc c'est ES, hein. On sait toujours pas ce que c'est. Moi, je tablerais sur entrée secrète, personnellement. Ça reste à vérifier. On peut aller là. Voilà, il y a un item au bout du chemin. Oh putain, alors lui il est costaud lui hein. Ouais c'est bizarre, je comprends pas. Alors là on va pas me faire croire qu'il n'y a pas un truc pour monter ici. Ah faut faire le tour visiblement. What the fuck. Donc là c'est power bomb. Allez, s'il te plaît. Bon, j'ai pu en passer deux et du progrès. Visiblement, je pense qu'on aura un nouvel item ici. Enfin, j'espère. Ah ouais. C'est juste là. Ah, le fameux grappin dont on avait besoin. Qu'on avait besoin de la salle juste avant. Ça c'est cool. Donc là ça change au niveau de la récup d'item. C'est plutôt intéressant. Il y a forcément un scramble ici. Je n'ose croire qu'il n'y ait pas de scramble block. Raccourci. Donc là on peut aller à Crane, on peut aller à Fantoon. Parce que je crois que Crane il fallait le grappin de mémoire si je dis pas de bêtises. Bon je pense que j'ai pas besoin de les tuer en fait. Donc là on peut retourner à Brinstar du coup. Enfin en fait il y a plein de zones où il fallait le grappin dans mes souvenirs. Même au début du jeu, hein, y a du grappin, je crois, même au début du landing site. Hein. Alors, vu que c'est une salle verte, l'autre, on va y retourner et après, on retourne au point de départ. Parce qu'au point de départ, il y a du grappin. Hein. Au point de départ, c'est Grapple. Là, on a pas mal de choses à faire. Hein. Je pense, avant de retourner à Craig, il y a peut-être moyen de se mettre un petit peu de vie. Parce que deux capsules, c'est quand même assez léger. Mais lol. C'est encore au-dessus. Parce que le grappin au début du jeu ça sert. Hein. Ça c'est sûr.
Donc là désolé, un petit backtrack, mais la salle verte, tout à l'heure on a eu le spazer, donc moi, je suis désolé, j'y retourne. Les salles vertes, on a vu que c'était sûrement intéressant. Alors, après je sais pas si c'est des salles hors, hors affichage de la map, je ne sais pas. Mais là on va y retourner. Bah c'est sûr que c'est la variable parce que c'est Crane à mon avis le prochain endroit où il faut aller. Ah putain, il va falloir faire un vieux jump là. Voilà. Vous savez quoi? Ah le super saut c'est possible aussi hein. Merde! Bon. Magie. Bon, j'ai quand même essayé de le faire sans hein. Oh, s'amuse, qu'est-ce que tu me fais là, putain. Je devais être dessus normalement. Est-ce que tu as vu le nerf du bouquin de Belial? J'ai pas fait gaffe encore quand, quand je l'ai utilisé, j'ai pas vu la différence. Putain, mais il a fini de me tabasser lui. Bon, alors on a quoi maintenant? Ah, on a une statue mais avec pas d'objet, c'est peu commun. Ah. Ah, voilà, c'était un bon missile. Bon. C'est comme ça. Moi j'ai pas vu de différence, hein, honnêtement, avec le bouquin de Belial. Là, du coup, on va pouvoir retourner au landing site parce qu'il y avait du grappin. Après, on retournera à Crate, je pense. J'aimerais bien avoir un peu de vie avant, de faire Crate. Le Crate, je pense qu'ils l'auront un peu boosté. Ah, bah, s'ils ont. Ah, peut-être ça, c'est possible. J'ai pas fait gaffe. Parce que moi le Book of Belial je l'ai utilisé pour le nouveau mode de jeu, j'ai pas fait de partie normale avec Judas, enfin je crois pas. Salut Jintosan. Ah ouais non mais les wall jumps de ce côté c'est. Donc landing site on a dit hein, c'est par là. Ouais sauf que là je crois que c'était bloqué la porte. Landing site because il y avait du grapple et je crois qu'il y avait du grapple un petit peu partout à l'est de du vaisseau, il y avait pas mal de phases au grappin. On va essayer d'explorer un petit peu histoire qu'on soit pas complètement tout nu contre, le boss qui sera Crest. Crest, on peut y aller maintenant hein, je pense. Ça va bien, merci, ça va tranquille. Alors là de mémoire il y avait du grappin. C'est le premier truc que j'avais remarqué. Mais putain bon, de toute façon c'est plus rapide, comme ça hein. Ah putain, non, ah je suis deg. Par contre il a l'air d'avoir un autre truc. Ah je sais pas, c'est plus comme ça. J'en ai aucune idée. Faut demander au développeur du jeu, Timmy's Click. Oh putain, là il y a un seul truc à choper.
aller là, on peut aller là. Au moins les phases en grappin sont intéressantes à faire, plutôt cool. Pas trop frustrante. Je sais pas pourquoi je sens le piège là. Non. Putain, mais il y en a marre de ce bloc invisible de couille là. C'est trop méchant. Ah, là il y a un item. La question c'est où? Ah, j'ai peur que c'est dans le mur. Putain, il est dans le mur à tous les coups. Ou alors il est sur les blocs. Y'a un truc hein, forcément. Ouais, ça se trouve c'est dans les blocs grappins. Ouais. Ah putain là par contre ça va être chaud hein. Oh putain. Ah, y'a un truc caché quelque part, la question c'est où? C'est bizarre, c'est que je peux pas. Ah si je peux. Ah putain, il doit falloir faire un wall jump de merde. Même pas peur. Bon alors là il y a un item, je l'ai pas vu. Attends. Putain, on peut pas aller à gauche là? D'accord, on peut pas. Ça se trompe, dans les premiers. C'est possible. Mais... c'est quoi ce vieux labyrinthe? C'est Kazis quand tu vas. Tout ça pour un vieux missile, on la connaît la musique. Hein. Ah. Ouais, il est dans les premiers blocs grappins, c'est possible, mais alors à checker, c'est une catastrophe quoi. Ah, à droite, on va dans Fearful Lab. Ça va bien, merci. Bon, on y va, c'est sur le chemin. Voilà, sauvegarde et puis réserve d'énergie. Ça sent le pâté hein. Ouais, on retournera dans les premiers blocs grappins. Bonjour. Ça fait un petit peu peur. Ah, on a double choix là. Peut-être même un troisième ici.
crois. Ça continue et l'autre salle c'est quoi? C'est pareil, d'accord, on a deux grandes salles. Ah, warp zone ici. Warp zone. Donc à ne pas prendre, ce sont des baisers. Ça se trouve ici, faut revenir quand on a pété fantôme, je pense. Ah, il y a une porte fermée. Il est bizarre ce coin. Porte. Il y a ES, entrée secrète sûrement, je me doute. Je vais en voir l'autre porte du coup. Le problème c'est qu'on a que deux capsules d'énergie, alors bon. C'est pas forcément prévu au programme qu'on soit déjà là, je pense. Bon. Le problème c'est que le grappin était une invitation. Oula, la caméra est bizarre ici. Mais putain, mais c'est quoi ces statues là? Oh, réserve tank ici. Ah, bloqué, bien. Trop mal! Fait trop mal le bestiau là. Il est grand ce Warcraft chip. D'accord, donc là au-dessus c'est fermé. C'est con, on a vu des trucs qu'on peut pas récupérer, c'est un peu dommage. Ok. Voilà, si t'as pas le... Si t'as pas le ice beam là, tu peux pas passer, hein, visiblement. Vu que le passage est... Ah, musique d'item. Musique d'item sans item, je parie. Bien joué. J'ai bien aimé les métroïdes avec des grandes zones. C'est à dire. Allez, dépêche-toi avant que ça repop les blocs là. Bordel de fion! Ah non! Bon, par chance. Ah, ça se fait plaisir. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Le problème c'est que c'est warp zone encore à droite là, donc warp zone on se barre de l'endroit, ce qui est pas forcément voulu. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va continuer d'explorer ici. Putain, ah les hitbox, pardon, pas ici. Je pense qu'il fallait quand même les bottes de saut pour l'avoir ici. Bon, y a pas un truc. Donc au-dessus il faut l'ice beam. Plus les bottes de saut visiblement. Le problème c'est que j'ai l'impression que c'est que de la warp zone en fait ici.
Bon, de toute façon, au pire, hein, ça peut nous permettre de retrouver rapidement Brinstar. Enfin, Nature Plan ou je sais plus quoi, Nature Caves. Ça peut être intéressant. Je suis pas allé par ici. Ah non, c'était l'autre salle où il y avait beaucoup d'items. Enfin, là, l'item encore. Pourquoi il y a toutes ces statues Chozo là? C'est pour faire joli. Donc là, on a une porte. Ok. Je préfère qu'on délimite toute la salle. Donc là, on a encore une porte. Ok, donc là on a du choix. On va aller à droite. Mais putain, je l'avais désactivé ce putain de timer là. Pourquoi il se remet? Enfin, j'ai pas dû le désactiver comme il faut du coup. J'ai pas dû le désactiver comme il faut le Mario Maker. Bon, de toute façon, le truc il est bloqué. Ah, mais le terminal de carte il est cassé parce que Fantoon est vivant. Donc on a le choix. Soit on va en bas, soit on va à gauche. J'ai envie d'aller en bas personnellement. Save. Ah mais la save est cassée, putain. La recharge ça doit être pareil. Là regardez, je peux même manger le pic. En tout cas il est vachement grand ce vaisseau, c'est plutôt cool. On est où là? J'ai l'impression qu'on est sorti là. Putain, mais allez, c'est quoi cette zone de malade? J'ai l'impression qu'on pourra pas ressortir, rentrer. C'est que du décor ça. Continue, je sais pas si on va au bon endroit, mais bon, on y est. Ah, ça, c'est à la gueule de la salle de Fantoon, ça. Ok, je pense que le boss il est à droite, non? Parce que la salle elle ressemble étrangement à ça quand tu fais le boss en Super Metroid. Je vais où là? Je reviens au point de départ. Je me retrouve là. Je sais pas où on va là, il y a trop de trucs. Bon, pour là. Salut Vlad. Ouais, normalement, il n'y a pas de raison que la code est conne. Hein. Non, il n'y a rien ici. What? Ouais, alors lui m'a surpris hein. On est toujours dans le labo, ok. Mais là on va à Maridia là. Là on va à Maridia ici, je vais pas ressortir après. Ah, je pense que c'est la sortie vers Maridia ça. En quoi je vais me déguiser? En Bakariconé, ça fait très peur. Elle est Key Hunter, je sais pas de quoi tu parles. Hein. Et je m'en fous. Je pense pas que ça soit là non plus. Ok. What? Y'a eu un bug là l'espace de 2 secondes niveau graphisme? C'est
C'est assez chelou. On va faire tout le Fearful Lab là sans trouver Fantoum, ça va être magnifique. Ça va être tellement sale. Parce que là on a quand même exploré pas mal hein. On a vraiment exploré pas mal ici hein. En bas c'est Meridian Orfer. A droite c'était la Warp Zone. Donc là il nous reste plus qu'à gauche en fait dans cette grande salle. On va tout retourner de fond en comble. Et ça va être la dernière option qu'on aura faite. Je sais pas, j'en ai aucune idée. Le classement des speedruns. Bah en fait si tu veux rejouer au normal, je sais pas comment tu fais, j'en ai aucune idée. No ID. Ah mais des ennemis maintenant. À vrai dire je m'en fous puisque plus personne va jouer à Rebirth maintenant. Ça rajoute des items et un mode de jeu. What, mais genre ça me touche. Mais bordel, j'ai fait tout le niveau. J'ai fait tout le work watching, mais j'ai rien trouvé. Pourquoi au-dessus il y avait rien? Pourquoi il y a deux portes qu'on n'a pas faites là? Ah, celles étaient verrouillées, je crois. Bon, on a peut-être pas tout fait. On a peut-être pas tout fait. Non mais c'est le Wrath of the Lamb de Rebirth, oui c'est ça. On va appeler ça comme ça. Ah, il y a une autre porte qu'on a pas faite. Me voilà rassuré. Ah mais c'est la Warp Zone, mais merde. J'ai pas envie d'aller ici moi. Tu dois soit aller à la ES, soit revenir plus tard. Mais la ES c'est entrée secrète, c'est une porte bleue. Une porte blanche. Pourquoi les deux autres, j'y suis pas allé, il y a deux options là. Il y a deux autres options qu'on n'a pas vues. De toute façon on prendra une warp après, de toute manière. De toute façon, je vous montrerai ça dans 3 quarts d'heure à peu près. Pourquoi au-dessus j'y suis pas allé ici? Parce que j'avais pas envie. Parce que c'était fermé. Donc là c'était fermé, ok. Ouais, il doit falloir revenir plus tard du coup, c'est bizarre. Ah, puis là il faut le ice beam. Okay, bon bah on va prendre une warp zone et on va retourner à Brainstar du coup. Bon bah on a fait tout ça pour gagner une capsule d'énergie. Bon c'est un peu maigrelet mais bon. On avait quoi? Secteur S et secteur S. C'est quoi ça déjà, secteur S? C'était tout fermé, je sais plus. Je sais plus s'il fallait super missile ou si c'était tout verrouillé. Bon, c'est tout verrouillé. Donc on a fait tout work chip, on a rien. Alors ça me dégoûte. Hein. Donc là, il nous faut Brinstar. Donc Brinstar, c'était Nature Caves. Donc c'est à gauche. Et je vais faire la pause WC, je pense, là dans 2 secondes.
reviens. Après, désolé. L'ascenseur t'as le temps d'aller aux toilettes, c'est ça. Alors Crate c'était où déjà? C'était tout à droite. C'était tout à droite. Ah merde putain, mais il faut que j'aille ici. Et ce saut j'y arrive pas. J'arrive à enchaîner deux. Oh putain! Ok. Chat. Les céphalos, je sais pas ce que c'est. Ah, je peux pas remonter ici, putain! J'ai fait un truc de ouf mais je peux pas remonter. Putain la baise. Ah je suis obligé de faire tout le tour, putain. Oh là là, j'ai tout le tour à faire, dur. C'est peut-être des zones qui n'étaient pas affichées par la map où il y avait des items, je sais pas, ça c'est bizarre. La zone verte de tout à l'heure, il y avait le spazer là, celle de Brinstar, et l'autre il y avait un missile, genre. Je sais pas. J'en ai aucune idée, c'est peut-être qu'il y avait des objets cachés. Je l'ai mais je m'en rappelle plus. J'ai tellement pas marqué ce jeu.
Y'avait pas du grappin au-dessus là, ici? Je sais plus. Ah bah si, y'a du grappin. Ah, ça, ça fait plaisir. Je sais pas pourquoi je chantais le vieux troll dans les blocs là, donc c'est pour ça que j'ai fait un petit saut. Y'a rien ici. Je sais pas, ça a l'air d'être du troll ça, non? Donc ça c'est fait, ça fait plaisir. Mais quel mauvais... Mais... Ah, mine de rien, le spazer, le grappin, une réserve de missiles et deux capsules... Mine de rien, ça commence à être propre, hein, je veux pas dire, mais ça commence à être assez intéressant. Là, par exemple, si on doit faire Kraid, je me le sens un peu mieux, là, par exemple. Alors là, il y avait quoi au-dessus? Scramble, alors comment on monte là-haut? Ouais, on doit pouvoir monter par l'autre porte. Ça devait être une power bomb, je crois. Donc là, pas de boulette. Enfin, faut que j'aille à droite. On va faire la petite safety là, ça sera fait. Ouais, le spazer c'est quand même pas ultra puissant hein. Salut Dark, quand tu veux. Là, je crois qu'il y a de la power bomb ici. Ça sera fait. Bah, c'est bien, c'est qu'il y en a pas mal dans le jeu. Donc... T'as été traumatisé par ta découverte d'Afterbirth. Qu'est-ce qui t'a donc traumatisé? Le grid mode, des objets de merde. Un boss affreux. Parce qu'il y a des boss affreux, il y en a maintenant, ils sont dégueulasses. Ah, le mode grid, c'est chaud. Hein. Ah, j'ai réussi à le baiser complètement le mode grid avec grâce à un item. Mais baiser j'ai baisé. Et du coup j'ai torché, du coup j'ai terminé le grid mode, j'avais Epic Fetus, j'avais des trucs cheatés de partout, Epic Fetus, Cricket's Head, IPK. Le boss sac à HP tu l'as passé. Ah ouais, 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 t'as vu le pattern il est chaud. Et encore pour le passer, si t'as pas le. Si t'as pas un gros item, c'est chaud. Le. Je sais plus comment il s'appelle, The Uf ou The. Enfin, il a un vieux nom. On est vraisemblablement sur le bon chemin. Enfin, je vois pas comment on pourrait être sur le mauvais en fait. À moins que Kraid nous file le speed booster. Possible aussi. Faut jouer des speed boosters. T'as vu que les synergies ont été corrigées? Non, j'ai pas vu parce que j'ai pas eu tant de synergies que ça. Donc, la seule synergie que j'ai vu qui était rigolote, c'est l'effet qui donne la pilule Ario Wizard à l'infini là. J'ai vu ça plus le Brimstone rebondit avec Rubber Cement. Non, j'ai pas encore eu Rubber Cement dans le jeu. Ni Brimstone. Il y a au-dessus et en dessous. Hein. Au-dessus c'est Warp Zone. Et en bas c'est. Ah non, au-dessus c'est Water Maze. Putain, je sais même plus. Bon, on va aller au-dessus. Il y avait quoi au-dessus? Ah bah c'est grappin au-dessus. Bah, ah!
Ceci est problématique. Ouais, on m'a dit que c'était marrant aussi, mais j'ai pas encore eu Brimstone dans le jeu. Enfin, si, je l'ai eu, mais toute seule. C'est Bigounet. Le mec qui stalk. Bon, Nightbot, je t'avais désactivé pourtant ce truc là, bon, c'est pas grave. Je le désactiverai entre les deux streams. Normalement, on est censé faire quelque chose par ici. Mais c'est pas Kraid en fait ici, c'est Fear Lab Bash, un truc bidule là. En fait, je pensais qu'on allait à Kraid par ici, mais non, pas du tout. Et ça, mais putain, et je reviens là du coup, mais. Mais merde! Je reviens là. Sachant que là, on a déjà tout regardé, on peut rien faire. Pourtant, j'ai le grappin. La logique, voudrait qu'on aille ici. Hein. La logique, c'est qu'il doit y avoir un truc à faire. Hein. Ah oui, regardez-moi ça. Si ça, c'est pas une indication du genre, faut y aller. Oh, le spoil, t'inquiète. Si, je comprends pas. On a retourné le truc dans tous les sens. On a rien trouvé. Et le jeu nous dit d'aller par là. Je comprends pas. Parce que là, clairement, on a pris des chemins, que des chemins grappins là. Le grappin, il sert forcément quelque part. Hein. Le seul endroit qu'on a pas checké à fond, c'est où il faut aller dans la flotte, mais. Ça me paraît tellement curieux qu'il fallait aller là, donc on va y aller, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. C'est le seul endroit qu'on a pas vraiment checké, c'est où il faut aller dans la flotte. Mais on va y retourner, hein, parce que y a que cet endroit. Ça se trouve, il te file le Gravity avant de te filer le Varia. Ce qui serait quand même très étrange. Ah, égalisation de Liverpool pour les intéressés. Il y a le passage de lave et le passage de flotte qu'on peut faire. Le passage de lave, c'est mort à mon avis, mais celui de flotte, ça doit pouvoir passer du coup. Et là, il y avait quoi? Et là, à part l'ascenseur, il y a quoi ici? Parce que là, on peut y aller au grappin normalement. Y a pas autre chose ici. Ah, la chrome elle est vachement cool, hein. Franchement. La chrome est vachement cool. Ça fait là, je sais pas où aller. Là, ce qui est bizarre, c'est qu'on a retourné tout le stage en fait sans rien trouver. Le seul endroit que j'ai pas checké, c'est vraiment celui-là quoi. Où il y a de la flotte, mais ça me paraît tellement bizarre. Tu vois, là, t'as l'impression de te barrer du vaisseau fantôme là. Enfin, du Fearful Lab. Dégage, merci. Il y a que là que j'ai pas vérifié vraiment quoi. On va checker, hein, c'est ce que je vous dis. Ah, c'est du grappin en du grappin sous l'eau, ça va être délicieux. Délicieux. Ah. On peut remonter là si jamais. Je pense qu'il y a moyen de choper les blocs grappins en haut là. Thank you.
Ouais, non, tu peux pas sortir par là. Ça se trouve, après, ça re-rentre hein, dans le vaisseau fantôme, hein, ce qui est possible. Mais... Et putain, je vais pas pouvoir monter ici ou quoi? J'ai l'impression que ça va être... je vais être trop court. Oh putain. C'est moi ou je suis trop court là? J'ai l'impression que je suis trop petit, trop bas. Putain! Bizarre. J'ai l'impression que le truc il bug en fait. Je peux pas ressortir, j'ai l'impression. Ouais, il y avait des passages cachés, mais. Même là, je crois pas que je puisse remonter. Hein. Ah. Et même là, j'ai l'impression que la plateforme elle va bugger. Hein. Non, là je peux remonter. What? Ok, je passe à travers, tout va bien. Ce jeu est magnifique. Et là, je me demande si c'est pas fait exprès hein, que tu puisses pas y aller quand même. Non, là, tu peux pas y aller. Bon, il y a forcément un passage secret que j'ai raté du coup. Comme le suppose Diabolo. Parce que c'est pas possible qu'il y ait un truc à la frame comme ça. Oh putain, mais même ça pour ressortir, mais c'est quoi ce cauchemar? Mais putain, mais. Ah, là, le jeu est mal foutu par contre. Là. Ah, ça y est, putain. Non! Bordel de. Ça, c'était tellement prévisible. Parce qu'en fait, t'as une partie qui est encore dans l'eau. Dieu, c'est insupportable. Bah, je vais attendre, hein. Vous savez quoi? J'ai fait la safe state. C'est bon, on est sorti. Mon dieu. Passage de gros morts, c'est à peu près ça. Après, il y a le passage de lave, mais le passage de lave il me paraît un peu bizarre quand même. Non, mais. Ouais, juste checker à gauche quand même. On a 4 capsules. Mais là ça me semble... Ouais, c'est pas une bonne idée je pense. J'ai déjà perdu 40 rien qu'en mettant les pieds dedans. Donc non. Il y a forcément un truc à faire parce que Brinstar nous amène ici. Le Crateria nous amène ici. Les deux nécessitent le grappin. Il y a eu le petit bug graphique comme tout à l'heure. Si c'est pas là le chemin, je comprends pas. Alors, est-ce qu'il y a un passage secret ici? Je ne sais pas. À mon avis, c'est dans les salles où il y a des escaliers que j'ai dû rater un truc. Avis. Ah oui, c'est vrai que c'est cassé, ça marche pas. En plus, c'est bien, c'est pour être sûr que tu vois, tu sais que t'es dans le vaisseau de Fantoon là, tu sais, te le mettre partout. C'est anxiogène au possible.
Notre entrée secrète. Mais les entrées secrètes, on peut pas y accéder. C'est des portes qui sont verrouillées. De toute façon. Enfin... Dans tous les cas, on peut rien faire. Allez, vive l'exploration. Là, je sais pas où on va là. Retourne au début du niveau. C'est ce que je fais depuis tout à l'heure. Il y a une seule porte que j'aurais peut-être pas faite, mais. Mais si je l'ai pas faite, c'est qu'il y a une raison. Ah, c'est la warp zone. La warp zone, ça m'emmène à Maridia en fait. J'ai pas forcément envie d'y aller quoi. Enfin, on va voir. Ouais, ça me ramène là. C'est vachement de l'avance. Se pose pour Yoon, s'il fallait faire quoi, se pose pour Yoon, c'était le. C'était Norfer ou pas ça? C'était Norfer je crois, se pose pour Yoon ça. Fearful là, bah c'est d'où on vient. Water Maze, c'est de la flotte. Se pose pour Yoon, s'il fallait le Varia de mémoire. Hein. Bon, on va retourner à Fearful bidule hein. Au début avec la salle sauvegarde tu avais une porte, on va y retourner. Parce que la salle sauvegarde, il y en a plusieurs. Hein. La salle sauvegarde là, la porte. J'ai tout fait hein, ici. Hein. Bah, l'endroit de la Warzone, ça fait très Metroid Fusion où t'avais tous les secteurs possibles. C'est à peu près ça. Sauf que c'est pas la seule entrée en fait. C'est bizarre que le grappin nous amène ici, quoi, sachant que c'est le seul endroit. En haut à gauche. Il n'y a pas de porte. Mais la porte en haut à gauche, c'est la sortie. C'est la sortie vers Brinstar. Enfin, Crateria plutôt. Faut pouvoir vérifier ça, mais. C'est bien, on va tourner en rond pendant 15 minutes. C'est par là, ouais, c'est peut-être par là, effectivement. Quand c'est quoi de fusion? Oh, il est bien, mais c'est pas le meilleur. Putain, mais. On demande le wall jump à l'accueil. Il y a besoin du wall jump en fait. Et là il y a un item aussi, mais bon il doit être derrière la statue je pense. What? Ah, les pics sont fake. Ah, est-ce qu'il y a une autre salle avec des pics? Ça se trouve. Ça se trouve, elle est là la solution. Il y a peut-être une salle de pics où il y a un passage secret.
C'est peut-être dans ce genre de salle qu'il y a un truc là. Genre un peu plus haut là. Visiblement, il n'y a rien. Est-ce que là, il n'y avait pas une porte? Peut-être un passage secret ici. Bon, c'est bien, on va tourner en rond un quart d'heure. Pourquoi il y a un petit trou ici là? Il y a un truc. There is something. Ah bah voilà, c'était là. Et c'est une salle verte, donc ça devait pas être affiché par la map, je pense, tout simplement. Putain, saloperie. Bon, save tat, hein, évidemment. C'est bizarre, c'est qu'on a pas fait crade. Je sais pas si tu penses à ça, Diabolo. Personnellement, je ne pense pas, mais... C'est quoi son pattern à celui-là? Est-ce qu'il fait son gros mort comme l'autre? Ah bordel de fion! Merde, j'ai fait une connerie, j'aurais jamais dû parler du super missile collègue, il va me faire son attaque de merde. Et... je suis safe ni à droite ni à gauche, ok, c'est magnifique. Putain, mais je suis safe où en fait? Je suis safe nulle part. Je suis presque mort surtout. Bien. Il me faut de la vie là de toute façon. Le problème c'est que j'ai pas le Varia en fait, normalement on a le Varia quand on affronte Fantôme. Le ah oui, il fait mal ouais. Bon, c'est bien remis là. Jusqu'à ce qu'on meure, on est pas trop mal. Sans le spazer, on galérerait un petit peu plus, je pense. Hein. Ah, bordel! Putain. Nice! First try. The good battle, évidemment. Bon, je sors par où? Je dois sortir par là, je pense. Ouais, voilà, exactement. Ça va, j'ai pas trop stressé.
Alors, Phantom Dead, ça mérite une save state. Donc là, on va récupérer la capsule d'énergie. Et on va récupérer sûrement le Varia Gravity, je sais pas trop quoi. Normalement, il y a tout qui s'est activé. Maintenant, c'est de la merde. Qui c'est qui m'attaque? Qui m'attaque? Ouais, c'est surtout la capsule d'énergie, moi, que je vais récupérer. Après, le reste, je m'en fous, moi. Je veux de la vie. Ouais, bonjour. Du coup, la porte est débloquée. Quelle porte? Bah, y'a sûrement des portes débloquées, ça c'est évident, hein, mais. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que c'est pas indiqué Warp Zone sur la porte. Je pense pas qu'entrée secrète soit débloquée, on va quand même aller vérifier, mais. I don't think so. Ouais, tu vois, entrée secrète, elle est toujours. Par contre, je pense que là. Là, on doit pouvoir passer maintenant avec la statue Chozo. Et je pense que c'est elle qui nous amène à la sortie. Donc je pense qu'on va pas y aller de suite. Je pense qu'elle s'enfonce dans les pics celle-là, donc je préfère aller récupérer la capsule d'énergie qui est au-dessus, après on va là. C'est la vie d'abord et ensuite l'attaque, hein, les missiles après. Ou alors la capsule, la statue se baisse juste, je ne sais pas. Dans le doute je préfère aller checker celle d'énergie avant. Qui est juste là en plus. Bon, la question c'est comment. Il tombe, j'espère, ce con. Comment je passe? C'est quoi ce putain de troll là? Il tombe pas ce con. Un passage en haut peut-être mais... A mon avis je pense qu'il faudrait que j'ai le wave beam pour le pousser en fait. Il faudrait que j'ai le wave beam. Je pense que c'est ça qu'il faut faire. Mais après le passage en haut on peut effectivement vérifier. Putain par contre c'est... Non y'a rien. Mais wave beam tu vois tu pourrais pas... Ça a le prix. Alors est-ce qu'il y a un passage sur le côté? J'ai pas l'impression. Au pire, ce qu'on peut faire, c'est que là, ça fait 1h24, on peut sauvegarder là, et puis après, on reprend la prochaine fois, on reprend demain. Hein. Ça sera tout chaud. Parce que là, j'ai pas envie de recommencer direct. Elle est où la sauvegarde? Elle est juste en dessous. On va sauvegarder là, puis on va lancer Afterbirth, ça sera parfait. Je vais faire une petite coupure de stream par contre. Parce qu'il faut que je désactive ce Nightbot de merde qui donne le truc Mario là. Enfin, je sais pas pourquoi, pourtant, je pensais l'avoir désactivé. Donc, on va sauvegarder là, on reprend demain le Warped Chip du coup. Je cut 5 minutes le temps de renommer le stream, de bidouiller un peu parce que le tracker d'item marche plus. Et faut que je bidouille aussi pour ma musique parce que je vais pas jouer avec la musique de Rebirth, elle est insupportable. Donc ce qu'on va faire c'est que je coupe le stream, on se retrouve dans 5 minutes à peu près, des bisous, à tout de suite.